merci toi qui as partagé. Ce n'est pas un au revoir, c'est un rebirth. Hello, bonjour, bienvenue par ici. Si tu es nouveau, je m'appelle Sandrine, je suis pharmacienne. Je fais des vidéos sur YouTube, je te parle des ingrédients, des maladies de la peau, etc. Alors, ça fait 2 ans et demi que j'ai commencé à poster des vidéos sur YouTube. On était le 5 août 2021. Et j'ai posté ma première vidéo qui parlait de Dieu seul sait quoi. Cette vidéo est une vidéo bilan pour moi et pour les 8300 personnes qui se sont abonnées sur cette chaîne. Je vous le dois. Dès qu'on va atteindre les 10 000 abonnés, je vous donne le droit de me poser tout ce que vous voulez comme question parce que j'ai l'impression que sur cette chaîne, je viens juste ici vous parler du skincare et puis je dis ciao. Et puis c'est ça aussi qui vous arrange. Vous n'êtes pas là pour connaître qui est Sandrine, qu'est-ce qu'elle fout, etc. Je suis juste contente. Je suis super, super contente. On a atteint les 8000 abonnés. Depuis le début de l'année, je ne postais pas régulièrement sur cette chaîne. Je suis vraiment désolée. J'ai eu l'impression que je vous ai abandonné, que je vous ai déçu, etc. Le 5 août 2020, j'ai posté ma première vidéo. Et ça fait 2 ans et demi de cela et nous sommes à 8300 abonnés. Je n'arrive pas à comprendre, mais je comprends un peu parce qu'on a quelque chose en commun, vous et moi. On a les problèmes de peau en commun. J'ai souffert d'acné pendant plus de 8 ans. Et je souffre toujours d'acné, mais je sais contrôler mon acné parce que je comprends les ingrédients. Et c'est pour cela que j'ai décidé de créer cette chaîne. Je l'ai créée parce que je voulais partager tout ce que j'avais appris de moi-même. Parce qu'à l'époque, je n'étais pas encore une pharmacienne. Donc, et avec mon background de chimiste, de pharmacien, ça me permet d'avoir un peu de pathologie et beaucoup de chimie et j'ai décidé de jumeler les deux. J'ai créé une chaîne qui s'appelle Le Médicament Simplement Expliqué en 2022 et j'ai décidé d'abandonner ce projet qui me tenait pourtant à cœur. J'ai décidé de jumeler les deux projets. Donc Le Médicament Simplement Expliqué et Sandrine de Pharmacie sera désormais sur cette chaîne. J'ai décidé de vous l'annoncer publiquement pour que vous ne soyez pas surprise si vous voyez que je parle désormais de ma vie, pas de ma vie de pharmacienne, ça n'intéresse personne. Si je parle beaucoup plus de maladies et de médicaments sur cette chaîne, parce que le nom est Sandrine de Pharmacie. Et qu'est-ce que fait Sandrine de Pharmacie dans la vie quotidienne? Elle explique aux gens les effets secondaires, la thérapie, etc. Et j'aimerais la porter ici sur YouTube. Pourquoi j'ai décidé de faire YouTube? Parce que j'avais l'impression qu'il manquait quelqu'un qui me ressemble sur YouTube. Ça a failli être émotionnel. Là, ça a failli être émotionnel, mais je vais me concentrer. J'avais l'impression qu'il manquait quelqu'un qui ressemble à ça sur YouTube, quelqu'un qui me ressemble, qui te ressemble peut-être si tu regardes cette vidéo. J'aime partager les bonnes... Je n'ai pas une grande sensibilité dont je peux venir sur YouTube et partager tout ce que je veux. Mais je m'abstiens de le faire tout simplement parce que je connais comment YouTube marche. J'avais l'impression que j'avais quelque chose à partager. J'avais l'impression que mon histoire n'est pas unique. Je crois qu'on a cette histoire en commun. On a des problèmes de peau. Si tu es abonné sur cette chaîne, c'est parce que peut-être tu as des problèmes de peau. Je souffre aussi d'acné. Mon acné n'est plus sévère comme avant. Elle vient de temps en temps quand je me comporte mal parce que il faut avouer, je suis un humain. Je suis un humain si tu n'as pas constaté. Donc, et j'ai mes tares comme tous les humains. Bon, j'ai commencé en 2021 à faire des bilans chaque mois. Mais j'ai bien constaté que ce sont des vidéos que vous n'appréciez pas, qu'une petite quantité de personnes appréciaient. Certaines personnes m'ont trouvé sur YouTube à cause de mon bilan sur YouTube chaque mois. Et je te remercie si tu es encore ici parce que ta première vidéo était moi qui parlais du business de YouTube. Je vais continuer à le faire, mais plus de la même façon qu'avant. Je vais te parler des progrès parce que aussi YouTube, c'est ça.
YouTube, c'est un business. YouTube, c'est une opportunité. Et si tu regardes cette vidéo et tu veux commencer YouTube depuis, c'est le moment. C'est le moment, lance-toi. Les gens s'en foutent un peu avec quoi tu filmes. L'essentiel, c'est le message que tu apportes et la particularité que tu apportes. L'histoire que tu racontes et parle d'elle-même. Alors, c'est quoi l'histoire de Sandrine de pharmaciste? C'est une femme qui a souffert d'acné, heureusement, avait une grande estime d'elle-même. J'avais beaucoup de gens autour de moi qui me faisaient me sentir aimée, dont je ne remarquais pas vraiment à quel point mon acné était grave. C'est plutôt l'extérieur qui me faisait savoir que mon acné était grave, qui me regardait. Ça me faisait parfois me remettre en question, mais du coup, mon ego reprenait place. Si tu passes par là, je vais te dire que prends le bic et le papier, écoute ce que je dis sur certaines des vidéos, applique certaines choses à la lettre parfois, et tu verras que ta peau va s'améliorer. J'ai à offrir une expérience unique. Parce qu'on est tous uniques, chacun est unique dans ce qu'il aime, dans ce qu'il fait. Certaines personnes se demandent comment je peux parler des skincare du matin au soir. Oui, je suis parfois plus motivée de parler des skincare qu'autre chose. Aujourd'hui, nous sommes à 8358 abonnés. 100% transparente avec vous et j'aime être transparente. J'ai fui YouTube, j'ai fui cette chaîne parce que j'ai une autre chaîne qui s'appelle Everyday Girl Style. Si tu aimes la mode, suis-moi là-bas. J'ai fui cette chaîne parce qu'elle avançait. On est passé de 6000, 7000, 8000. J'ai pris peur. Je me suis demandé, mais à la lieu où ça va, jusqu'où ça peut aller, est-ce que je suis prête? Honnêtement, je n'ai jamais aimé être le centre d'attention. C'est bizarre parce que je poste les vidéos sur YouTube, mais ça allait un peu trop vite pour moi. Je n'étais pas prête, mais là, je crois que je commence à l'accepter. Je commence à accepter que j'ai mis plus de 130 vidéos sur YouTube et il y a des gens qui ont fait confiance à ce que j'ai dit, qui se sont abonnés. Je vous remercie du fond du cœur. Je sais que la moitié vient d'une seule vidéo. La vidéo s'est ravée. Combien YouTube m'a payé pendant les 1 an et demi que je suis monétisée? Presque 2 ans. Je n'ai pas encore regardé. Je crois que c'est autour de 700 à 800 euros. C'est 800 euros que j'ai gagné en vous racontant, en vous parlant de skincare. Et en plus, j'ai gagné plus que 800 euros. J'ai gagné 8000 personnes qui se sont abonnées, qui ont dit oui à un partenariat et ils n'ont aucune idée où je vais les amener. Merci. Merci, toi qui tu t'es abonné. Merci, toi qui as liké. Merci, toi qui as partagé. Ce n'est pas un au revoir. C'est un rebirth, c'est un recommencement, c'est un renouvellement de nos voeux. Certains d'entre vous ont constaté que je n'ai plus répondu aux commentaires parce que oui, j'ai pris peur et j'ai fui. Aussi simple que ça, parce que cette chaîne avançait plus vite que mon mindset. Donc, il fallait vraiment que j'ajuste et accepter notre relation. Donc, j'ai décidé de me donner et j'espère que vous êtes prêtes à recevoir. Donc, je vais arrêter de blablater ici parce que ça commence déjà à prendre une allure de confession. Et c'est pas ce qu'on est là pour faire. D'ici là, porte-toi bien. J'espère que tu as aimé cette vidéo qui était all over the place. Bye bye!